Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bon. Pour cette première manche du championnat en coopération avec Jean-Louis Moncy et Olivier Brogniart. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir. Si Jean-Louis Moncy vous paraît un peu blasé, c'est pour la raison suivante. C'est trois fois qu'on recommence. La première fois, parce que tout simplement, j'ai merdé à chaque fois les tests. De performance, de recherche et développement. Et du coup, nous avons recommencé. Voilà. Nous avons recommencé, nous avons réussi. Sauf que nous avons. Enfin, j'ai oublié de filmer et d'enregistrer le son. Donc, nous redisons bonjour pour la troisième fois. Et on attaque directement avec une qualification. Mais les prochaines courses, il y aura les essais. Les essais, bien entendu. Les essais, c'est important, on prend les marques. C'est que j'ai première. C'est vrai. Premier, j'en ai annoncé 10e. À noter quand même que le temps pour annoncer a été réalisé avec 10 tours de sens environ, enfin, ou 7 et 8, donc c'est quand même beaucoup. Je n'ai pas trop cité. Alors, pour les premières, blocage de roue. Oh. Non. C'est bon la tête, t'as vu de l'audacité, bien sûr, c'est bon, t'as tout mis. Ouais, j'ai tout mis, j'ai mis mon sens, c'est vraiment d'avoir vraiment tout raté, j'ai fait n'importe quoi. Oh, le bloc qui arrive, je vous laisse passer. Williams. Alors, c'est un peu. L'année dernière, pour la troisième fois, je vais le répéter. L'année dernière, c'est qu'elle a terminé 10e. C'est vrai. Qui a terminé 3-12e, hein, c'est ça? Pour ceux qui disent 12e, c'est ça. En termes de points, donc battu, même si bon. Voilà. C'était pas si perdant que ça parfois, surtout en qualification. J'en ai annoncé très performant en fait. Mais... C'est là. Une victoire pour les Grenières, hein, ça au tour, n'oublions pas le mot. Oui, c'est vrai. C'est ce qui a permis à Jean-Louis Moncey de terminer devant. Allez, premier tour lancé pour Olivier Brogniart, alors que Ricardo a fait 9-6-6. C'est une première tendance en cette séance de qualification. Il est pas stratosphérique. Vers le deuxième, le tour de retour. C'est vrai. Il y a Perez qui fait 30 devant moi, je fais peur. Attention, il y en a qui sort de l'instant. Oh, Hamilton qui m'a gêné là. Oh, le vilain. Alors, on a décidé de partir en sprint. Je vais les revenir. Complet de qualification. Allez, on a fait en terminer avec le premier tour qui est plutôt bon. Meilleur temps provisoire, 25-952. C'est pas aussi dominateur qu'en c'est. Ouais. C'est ce qu'on pouvait pas prévoir. Bah, Ricardo il a fait 26-14. C'est vrai, ouais, c'est plus Ricardo, c'est vrai, j'ai raison. Il y a un peu le bordel devant moi. Du trafic, trop de trafic! Oh! Il a failli partir à la tour du coup. C'est que bon, voilà, le danger c'est de toucher et de prendre une pénalité, on aurait compris, c'est vraiment une pénalité ça. Partir dans le peloton, c'est pas une bonne pioche. Et du coup, Christophe Malouin, qui met bien vers ses trois. Et oui, on est en train de faire tous les animateurs.
Et le renard qui va rentrer au stand, puisqu'évidemment il a été gêné par Maxime. Qu'est-ce qu'il fait, Bottas? Oh là, Bottas. Et oui, j'ai l'impression que dans cette opus, oh là 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 là, il y a du carnage. Oh là là, Pérez. Il y a beaucoup de trafic, je trouve, dans ce jeu. Ça s'écarte vraiment, vraiment, vraiment très très mal. Enfin, ouais, ça fait d'arco. C'est pas du tout ce qui va se passer là. Super. Comment? Ouais, ouais. Ouais, mais en vrai, non. Je suis pas d'accord. Pas d'accord, ceux qui sont très lents en vrai s'écartent bien. Et parfois on va avoir une bête par rapport à les duels qui s'écartent un peu, qui ralentissent pas autant, mais bon, le problème c'est qu'ils traînent à deux d'ailleurs. Sur la trajectoire, ça se porte. Alors regardez le petit point. C'est qui? J'ai pensé qu'il du coup n'a pas amélioré. Le 27-1. Oui, j'ai envie de bosser sur la carte, je sais pas. C'est bien parce que des fois on dit in alors qu'on parle de coup, des fois on dit chauffe. C'est vrai, c'est un peu confus. Oh, quelqu'un qui est sorti! Il y a eu un accident! Troisième secteur! Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors vous devez le constater, j'ai l'impression que les IA sont des vrais tout au fond. Progressif. Un petit peu de l'eau, 3 agressifs avec nous, puis 3 agressifs entre eux aussi, il n'y a pas de se rentrer entre eux. A noter, le marché sorti du safety car, ça c'est peut-être possible. Ça aussi c'est fait, monsieur le Romain, il n'y a pas beaucoup de place pour dégager. On est dernier. Il peut sortir alors qu'il n'y a même pas d'abandon. Donc on est dans une phase très importante chez le pilote qui est de regarder, d'observer le polo. Alors là c'est pas ce que je fais parce que ce n'est pas le cas. Allons voir les classements, voilà. Tout va se jouer là, essayer de sauver les pneus pour avoir droit à plusieurs tentatives en option, en pilote ou quoi. Voilà. Alors là ça va être plutôt facile. Et regardez, incroyable, Raikkonen et Hamilton ont fait exactement le même temps. En 3ème ou 4ème position. C'est serré. Ouais, on a fait tel meilleur temps. Ah, il m'a bouffé. Il a les mêmes pneus, normalement, les premiers sont tous en prime. Ça va être serré. Intéressant. Est-ce qu'il a fait 2,39? Ah oui, Pérez, il a fait ça très fort. Son premier secteur en 1013. Je ne sais pas comment on est là, c'est absolument incroyable. Parce qu'il a fait 12 ans, un vide en fait, ils ont dû s'accrocher de Bottas qui a fait 12. Ah oui, carton contre Bottas et Pierre. Et le chef, un certain étonnant 19. Marc, voilà. Ou alors, le grand Marc, le grand Marc, le grand Marc. Le grand Marc. Le grand Marc. C'est le grand. A noter la présence de 3 Finlandais. On n'avait pas vu autant de Finlandais à la fin depuis des décennies. Ça, c'est quand même une phrase. Et la présence de 5 pilotes français. On a failli en avoir 6. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Préféré être Finlandais que de français. Et oui, il a fallu une solidité finlandaise, s'il vous plaît. Pour plus grand dame. Alors, c'est vrai qu'il
qu'il faut avouer que Olivier Grognard, notre ami Grognard, il a eu quelques petits déboires sur la deuxième moitié de saison, surtout. Beaucoup de pénalités de prime. Voilà, c'est, la belle machine s'est enrayée, j'ai envie de dire. À partir de la Malaisie d'ailleurs, la deuxième rentrée. C'était la deuxième partie de la saison. Non, je rigole. Non, mais en fait, je crois que les Rouennais a tiré comme un boulet ce boulet de Malaisie qui a tiré. Oh la phrase qu'il va dire. Après, où il y avait eu une déconnexion. C'est Jean-Luc Moncé qui avait hérité des points alors que les Rouennais étaient 4e et Jean-Luc 5e. Et c'est Jean-Luc qui a finalement été mis devant Léo. Enfin, Léo Grignard. Qui a fini 3e. Et Léo Grignard qui a pris 0. Donc ça a été le cadet. Enfin, ça fait mal. Alors il y a du monde aussi. Oula, Rosberg qui améliore, Alonso qui améliore. On avait peur de dominer. Je pense qu'on peut dominer. C'est intéressant. Très bien seul. Il va falloir qu'on sorte ses doigts du cul. J'espère que c'est plus facile. C'est vrai. On n'est pas là pour se rendre les choses aimées. On est là pour... Bien. Pour essayer de faire de bonnes performances avec cette sauveur qui ne demande qu'à faire des bonnes performances. Rosberg qui est meilleur mais qui a peut-être fait un génie. Alors que Jean-Yves Moncé... C'est dur. Jean-Luc Moncé, qui n'est que 14e, il n'a pas l'air paniqué plus que ça, tant qu'il est en train de regarder les autres joueurs. Alors qu'il n'est pas forcément. Rosberg qui va améliorer. Rosberg, où est-il? Alonso qui améliore. Deuxième cas, Rosberg meilleur temps. Oh, il a mis une claque là. Là, il a mis une claque à la concurrence. Alors j'espère qu'il était un temps. Malheureusement, on ne peut pas le savoir. Mais, si en prime, là on est clairement dans la merde, mais à mon avis, on entend, mais c'est très très bien, c'est un très bon problème olympique. Une seconde, deux de retard pour Léo, pour les Grognards. Ça, ça va être la merde, ça. Ça va être la merde. Moi je lis comme un con le résultat. Alors, c'est ouais, l'espèce. Ça va être tendu. Et tiens, ça va être juicy. Pérez qui a encore fait une 12. Mais qu'est-ce qu'il fait Pérez? Il est complètement réchaud Pérez. Mais oui, Johnson Button est en piste. Il a fait 37 dans le premier secteur, 46 dans le deuxième. Johnson Button est en train. Là aussi, je vais annoncer qu'il sort. C'est vraiment dur. C'est plus prudent. En dur quand même. Hein. C'est qu'il faut se faire éliminer. Ouais. Tiens, il risque de se faire éliminer. Alors qu'Olivier Grognard, petit peu l'embarras du choix au niveau des pneus. Quoi le premier Mozart. Quoi? Olivier Grognard, le roi de Mathieu Mozart. D'accord, c'est étonnant. Alors que Rosberg était en super temps. Ah, oui, c'est vrai, vous avez raison de dire ça, pas en temps, c'est en super temps. Il y a deux catégories de pneus d'écart. Pour le composé de temps, c'est tout le monde. Alors, on rappelle hein, quand même que le pilotage de qualification n'a peut-être certainement rien à voir avec le pilotage de course, il va falloir jamais utiliser cette fenêtre. Un domaine où les Mercedes pourraient faire de gros. Oh là là, Rosberg qui s'est fait gêner. Là, manquait. Ah, mais le vrai là, il y en a un qui arrive dans l'air sur le beurre, il ne sait pas le gérer. Oh là! Sergio Pérez! Sergio Pérez, une 12 dans le premier secteur, une 0-0 dans le deuxième, je crois. Je vais mettre le moins déchant. Il était parti pour refaire à 2-3-9. C'est énorme. C'est énorme. Ah, drapeau jaune. Peut-être lui. Et 1.33 dans le secteur 3. Il a bouclé son tour en 3.45. Ouais. Le gars est à l'arrêt total. Je crois que je l'ai repéré, il est dans le premier secteur, il est à l'arrêt dans le premier secteur, il y a quelqu'un.
Il y a quelqu'un qui nous paraît dans le S là. Oh là là, mais. Ah ouais? Ah bah c'est lui. Et abandonne certainement pour Serge Pérez. Il doit avoir un problème sur sa nouvelle place. Il ne bouge plus. Ouais, c'est terminé. Moi je vais immoncer dans les graviers. Oh là là, je vais immoncer qui va se mettre en danger là. Ah mais c'est avec Vettel qu'il avait un problème. Seulement 16ème. Seulement 16ème, il a immoncé en danger. Et du monde dans ses quoi 3 là-bas, franchement. Voilà, Vettel qui bug. Pas étonnant. Qu'est-ce qu'il fait? Vettel qui bug, il bug. Pour l'instant, je suis un peu tout seul. Vettel, je suis un peu tout seul. C'est bien que j'ai la piste en fait. Il y a énormément de puissance descendre. Bon, Perez déjà, qui est out. Il est out pour demain, je crois. Il me semble qu'il a abandonné. Simplement, il a touché au stand, mais c'est un abandon pour les pilotes McLaren. Les deux pilotes McLaren sont éliminés. C'est une grosse surprise. Et Jenson Button continue de faire n'importe quoi aussi. 38 dans le premier secteur, 46 dans le deuxième. C'est incroyable. Je ne sais pas ce que font les pilotes McLaren. Et on le voit, je crois, il est à l'arrêt dans le deuxième secteur actuellement, à la grande ligne droite. Enfin, il monte, on le voit, il enlève. Il est en arrière, 5ème. Ok, on peut se passer par. Par l'autre. Très bien. Il y a une montée qui est plus de terre. L'ingénieur qui regarde la piste, hein, évidemment, pour le premier, on n'a plus de problème. Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé pour l'enlèvement? Tout le monde est gravier. Oh là 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 là. C'est bien, c'est... il est pas en train de se mettre en confiance là. Hein. Le pilote sauveur, alors, qui est bien loin de son coéquipier pour cette première séance de qualification pour l'instant. Donc, ça, on est qu'en Q1, l'important c'est de passer. Tout se voit en Q2 et Q3. Je vais monter sur la ligne. Il améliore. Pour les moyens. J'ai rien qui n'est menacé que par Jenson Button. Qui est en train de faire un chrono, Jenson Button. Il va falloir améliorer pour Jean-Libre, c'est important là. C'est une seule Button qui est en train de faire un chrono. C'est combien qui passe? C'est le 17 premier qui passe? Les 16. Les 16. J'en ai annoncé qu'il est basculé dans la zone rouge. Ah merde, je ne peux pas voir la fin, on va regarder le classement. Jenson Button qui a réussi à faire un chrono certainement. Oui. Il est passé 13ème, il faut aller chercher Pastor Maldonado. Il y a 50 millièmes à aller chercher pour Jean-Yves Rousseau. Une 27 sans 3, c'est l'objectif. Oh non, incroyable! Il n'est pas passé! Il lui manque 20 millièmes. Oh là 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 là, mais comment a-t-il fait cette erreur? Il n'est pas parti en pleine option, mais c'est incroyable. Oh là 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 là. Je comprends pas, j'avais 8 dixièmes d'avance sur le deuxième secteur. Oh là là, j'en ai annoncé qu'il s'est effondré. Ah ouais, mais c'est incompréhensible. Hein. Oh là là, bah écoutez, c'est un coup de tête. Un coup de
tonnerre sur Melbourne. Enfin, moi, c'est qui est pas toi. Si, si, je suis là, tu l'entends. Oh là 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 là. On va espérer une sortie de safety car. C'est tout à fait possible d'ailleurs. C'est ouais, c'est vraiment terrible. C'est la première grosse surprise de cette séance. On n'imagine pas la première Sunder, pilote numéro 1 de Sunder, pas pour deux. Et au départ, ça va être compliqué. Dès que, ah oui, alors là, oui, c'est le départ qui fait peur. Hein. Parce que ce sont des brutes. Des brutes autour de lui. Il va falloir qu'il soit prudent, patient. Il faut vraiment qu'il garde à l'esprit. Le safety car peut intervenir à tout moment, ou même des casse d'ailerons avancés qui sont très violents entre eux et qui peuvent devenir en monoplace et devoir piter une fois de plus ou rouler une voiture en demeurée. Ça, c'est vrai. Allez, Livronnière qui, votre plus grand plaisir, va tenter de passer pour la C3, il va mettre les options directement puisqu'il n'a pas utilisé en plein. C'est la bonne pioche pour Livronnière. Donc 5 tours de séance, hop, c'est parti. Hop, en piste pour lui. Donc, le but sera évidemment de ne pas prendre de pénalité. La fameuse épée de Damoclès qui plane au-dessus du pilote sauveur. Ouais, ce soir. On est déjà rejoint sur l'autre rôle, je crois. Il est en train de regarder la télé. Regarde, on sait que les stars. Tout simplement. Sans l'espoir. Ça m'a donné un cœur joie quand même pour donner le reflet du soleil le vivre dans le vivant. En rétroviseur de la voiture de devant, c'est incroyable. Oh là là là. Oh là 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 là. Le pilote qui s'en plaint pour pas prendre les gens.
rejoint, hein, c'est une 25-0, pour l'instant. En fait, c'est plus d'eau. 25-0, c'est pas mal. Bien. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait une seconde amélioration entre les prix et les autres. En retard, les bonheurs entre le secteur, 2 millièmes déjà. Il a pu utiliser son cul, c'est parce que. Il utilise plutôt dans cette ligne droite, là, voilà. Le meilleur, il le fait exactement en même temps où je le dis, incroyable. Magnifique. Très beau passage du Pilta. Alors derrière on a Rosberg qui devrait améliorer. Alors je vais changer un peu les. Un écran noir. Ah, ça c'est pas trop rapide. Un petit coup d'œil sur les chronos. On voit que c'est quand même très très serré sur les premières positions. Hein, de Rosberg. On va mettre le 10e, qu'est-ce qui se passe? Et Eli Rognard, tu penses que ce sera suffisant pour passer? Il va passer directement plus tard. Il hésite quand même. Hein. Prise de risque. On va y aller. Non, mais c'est pas pour faire attendre pour longtemps notre esprit de terre. On va à Q3. Peut-être sans moi, mais. Attention. Attention. Quand je retrouve le bouton. Attention. Oh, il est passé. Première séquence émotion. Le passage en Q3, regardez, incroyable. Finalement, il n'y a pas vraiment d'amélioration hein, depuis que. Non, mais je sais pas. Je pense que quand on quitte les autres, ils n'améliorent pas. Les autres quoi? Les autres pilotes n'améliorent pas. Ah, pourtant si, parce que là, il m'a semblé voir que le 10e était qu'à 0,7 de la pole. Il me semblait qu'il était bien plus que. Ah non? Ah non, c'était Vettel. Ah merde! Ah mais quand on quitte, on sait que ça s'arrête. Bah je sais pas parce qu'on essaie ça pas, bouger. Ouais mais franchement ça va être un quand même quoi. Ils nous obligeraient à passer sous le camion. Ça va être un. Ça va faire. Attends.
que 3. 3 points de pénalité, c'est le plus important. C'est le seul mot d'ordre pour les Ronyard, vous aurez compris, les pénalités, il était traumatisé l'année dernière. Combien de départs de la dernière position? Je ne sais pas, on ne les a pas comptés. On ne les a pas comptés, les drive-thru, les... Singapour notamment. Catastrophique Singapour. Oconheim aussi, Oconheim, oh là là, Oconheim. Oh. Que d'occasion ratée, incroyable. Oh là, tout sort. Ça prend du temps. Ça prend pas des débits quand même. Oui, ils sortent tous. Le panneau Rolex qui semble vouloir tomber sur le manifestant, attention. C'est parti pour voir. Allez, on est avec Olivier Brognard. Enfin, vous ne voyez pas, mais moi je le suis. Ouais, attention, attention, attention. C'est un peu étonnant. Oh là là, il était fort. Mais Rosberg ne s'est pas laissé intimider, dis donc. On va rester derrière. Il y a celui qui va passer la ligne le premier. Incroyable. Alors que le lapin de notre studio est CAD. Ah, c'est mon lapin qui essaie de s'évader en essayant d'ouvrir la porte. Ah, mais ce qu'il ne remarque pas, c'est que la porte est contre le mur, donc il faut le sortir. C'est mort. Vous êtes dans les coulisses de Racing TV, on peut pas plus. On peut pas moi. C'est pas moi non plus. Alors, quelqu'un qui me suit très bien, j'aimerais bien que Rosberg monte un peu son rythme. Oh merde, dans le sol. Oula. C'est vrai que dans ce jeu, il faut pas y aller. Ah. En 2012, on pouvait aller dans cette petite bande de sable, elle était pas du tout gênant. Si on y allait pas trop loin, dans ce jeu. On va jouer sur certains un tour. La concentration d'être certain. Essayer de prendre le déconcentré. Même si à mon avis ça doit pas être facile. Le secteur. Ah là là. Oh, il a de la chance. Il a de la chance. Oui, il y a pas mal ralenti, je crois que c'est pour ça que c'est passé, mais... Et en fait, il gagne beaucoup de temps, Léo, dans le dernier virage. Tous les risques, hein, sorti là. C'est pas mauvais, oh. En première place pour le provisoire. Il va même arrêter tout de suite pour pas griller ses pneus. On doit 26 millièmes. Ça passera peut-être pas. Oh, Vettel! Oh! Alors, est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas amélioré? Je ne sais pas. Vettel a fait le chrono avant. Ouais, il l'a fait avant, en fait. Enfin, mais ça va poser problème. Bon, on va le voir quand je le trouve. Eh ben, écoutez, pour 2 millièmes, oh non! Pour 2 millièmes, je crois pas. Très belle que 3. Du coup, on a un petit peu emprunté quand même par rapport au thème de ce qui est meilleur ou pas quand on a fini, parce que là, alors... là c'est un petit peu dommage, ça nous fait avec une séance de qualification très très longue de 45 minutes quand même. Là, je... Ouais, bah enfin, la Q. Oui. Yep. 45 minutes.
Ouais, un petit peu là. Je sais pas. Je pense qu'on devrait commenter que les courses. Non? Bah, le truc, c'est que les qualifs sont super intéressantes, mais quand on les vit, quoi, je suis pas sûr que les gens disent ça aussi à fond que nous. On va bien voir hein, si c'est trop long. Moment de vérité. Parce qu'en plus, lors des départs, les IA sont un peu meilleurs. C'est parce que ce Ils départ sont un peu très très meilleur. bons. J'espère que tu vas même lancer. Moi, j'en ai lancé très prudent comparaison aux équipes. Très prudent. Déjà voir. Meilleure qualification 1-0 déjà. C'est vrai, qui est reparti sur sa lancée l'année dernière. Ça va être dur pour Jean-Louis Moncier de devancer son coéquipier par contre cette fois parce que là il y a une sacrée marge. Ouais. On y va, allez! On y va! Trêve de flagorne, oui, formidable. Un poète, je vous le dis, un poète, qui est avec nous ce soir. Là vous sentez le stress? Non? Moi c'est Jean de la Moncée. C'est pas Jean de la Fontaine, c'est Jean de la Moncée. J'ai rien compris. Tu dis ces gens de la Moncée. Oh. Oh. Jean-Luc de la Fontaine. Concentrez, concentrez, mon ami. C'est le moment. Très beau casque, Jean-Luc Moncée. Allez, c'est parti là. Moment de stress. Je vous laisse. On se retrouve au premier verre. Oh, il a un peu raté le départ. Oh là là. Fernand qui a été très prudent. Je pense qu'il est pour l'instant 13e. Oh là là, ça se touche, ça se touche, ça se touche. Le touchage. Alors là, c'est dommage que la caméra soit pas sur celle de Jean-Luc parce que c'est certainement plus intéressant. Pénalité. Oh non. Oh. Qui semble bien performant. Un petit peu trop même. Tu peux t'arriver. Bah, je suis en train de me faire lâcher peut-être par le thème, mais je tiens à peu près à la deuxième place.
Ouais, c'est vrai. Encore la même erreur pour Vettel, cette fois il y va. Oh non, c'est trop loin encore. Oh là là. Encore dans le gravier, Vettel. Incroyable. Oh non. Oh, c'est Rosberg qui y va. Rosberg qui est passé. Ah oui, on va vivre à fond, monsieur, ce grand prix. Ouais, mais je crois que c'est mieux. Tout ça, ça a profité à Vettel. Il est maintenant à 3 secondes 7 la place. Il faut que je les regarde dans sa course là. On verra ce qu'il a bien sûr. Et la même erreur qu'on Vettel 3 fois. C'est la même où. Voilà, on nous a planté tout à l'heure. Hein. C'est un virage. Vettel qui rentre. Et Rosberg qui va attaquer là, il sort très très bien du dernier virage, Rosberg. Il n'y a pas osé, pour Rosberg totalement. Mais derrière, il y a un empilement. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est planté derrière Rosberg là. C'est Hamilton. Et Marc Vettel, je l'ai dit. Sébastien Vettel qui est parti pour faire deux arrêts, peut-être, vous croyez? C'est très tôt qu'il s'est arrêté. J'ai même pas regardé quelle stratégie on avait. Arrêt de tour 5, on analyse, on ne peut même pas se l'arrêter, ça va. Et Rosberg est déjà revenu. Les pneus sont complètement élevés. Et ben voilà, excusez de le dire, il vient de la faire l'erreur. Et Rosberg qui va en compliquer tout de suite peut-être. Il vide son cœur complètement. Ça va être. Ceux qui vont rentrer vont être exposés au trafic. Ouais, c'est vrai. Et il y a mon air qui va rentrer. Il y avait des pneus usés, on rappelle. Peut-être que j'aurais lancé, aurait bien jusqu'au 6ème tour. Allez, au stand, pour les regarder, alors, ça glisse. Rosberg est rentré également. Grosjean en tête de grand prix, à l'automne. Trois secondes.
lequel, je pense, qui est en train de passer. Je pense que c'est lui qu'on voit. Ah non, c'est seulement lui là. Il y a Alonso qui est passé là. Il y a une Ferrari qui est passée, je pense que c'est pas bon. Oh, Rosberg qui a pas vu Jean-Yves Moncey. C'est massacre. Ah, il y a eu un contact entre les deux là. Non, Jean-Yves Moncey qui a dû passer par l'air, mais du coup, il a plus de respect. Jean-Yves Moncey qui aurait vraiment une bonne opération avec le Under 4, hein, si jamais. Il est passé par un cunier. Il a joué, on va voir. Il a pété. Il a doublé. Ah, il a doublé toute la meute. Et les deux tours en plus réalisés par les grenières par rapport à Vettel et même Massa sont tout très chers. Massa qui occupe grâce à ça la cinquième position, il a dû quitter très tôt. Donc Rosberg qui revient. Rosberg qui s'est porté. Ah, je vais prendre le voir. Rosberg qui a un super temps. Ce sera deux arrêts. Ouais, c'est intéressant ça. Ça s'arrête Massa qui s'est arrêté. Ricardo. Voilà, on s'est déjà arrêté. C'est parti. On est un peu juste des derniers carburants pour le revenir. Vettel, premier. C'est. Qui va passer pour Jean peut-être. Attention, il se touche, il se touche. Oui, passe. C'est pour là, quatrième position. Quatrième position. Oh, là, très très belle remontée. Je les renards qui n'arrivent pas vraiment à attaquer. C'est plutôt en train de. On est sûr qu'il va faire deux arrêts, peut-être que Vettel n'en prend qu'un, même si ça arrêtait plus tôt, il y a peut-être des prix. Rosberg est très très près là. Ah, on a dit à la radio de Jean-Yves Moncey que Vettel 2 s'arrête mal de bouger. Même message pour les donner en instant. Vettel qui a ça. Oh, alors, 2 secondes, 4 de mieux pour les donner, mais. Avec un arrêt en plus, il va être en difficulté. Quatrième, Jean-Yves Moncey. C'est derrière Rosberg. Ouais, je le vois sur la fin. Je te le vois. Ouais, moi, j'ai pas trop tort, parce que. Regardez dans la rétro, c'est bon. Je vous vois, ça y est, vous l'avez. Seconde 6 d'avance pour Vettel, qui va ressortir quand même pas mal placé. Hein. Il va falloir surveiller en fin de course, même si logiquement il aurait pu avoir du mal à remonter autant que ça. On sait qu'il fait un petit bouchon là, moi aussi.
pour le moment. Je pense qu'on a trouvé le bon équilibre entre pas trop fort et pas trop faible. Mais tout à fait. Même s'il faut éviter qu'il fasse de l'arrêt à chaque fois, c'est un petit problème. Qui continue de presser derrière les bonnes cartes. Petite pression, on s'est dit. C'est très important en fait, on va dire, on va y là, les points intermédiaires vont compter pour changer. Ok. Oh, Rosberg, qui s'est planté, je vais annoncer qui passe. Ah oui, il va annoncer 3ème du Grand Prix, incroyable. Vettel qui continue, mais Vettel qui réduit considérablement son rythme. Plus de 6 secondes d'avance pour le champion allemand. Oui, alors j'ai ramassé ma chaise parce que je suis en train de m'éloigner des pédales, mais j'ai failli prendre un mur en passant. Hein. Pour un résultat assez pourri parce que je me sens toujours aussi mal. Les pédales s'éloignent. Et je me sens tout qu'elles s'approchent. Vouloir tenir 5 secondes 6, en train de craquer là. Trois secondes 8, il est en train de tomber complètement là. Voilà. On a vu qu'il avait remis des options, ils sont en train de tomber là. Et pourquoi il ne s'arrête pas? Il s'arrête. Il s'arrête. Sébastien Vettel au stand. Il a trop tardé. Il aurait dû s'arrêter il y a deux tours. C'est vraiment très étrange. C'est dommage quand même. Cette stratégie à deux arrêts. Bon, regarde. Une course, ça va pas mal. Est-ce que vous croyez ça? Oui, mais non, parce que je pense à 10 places. Ah oui. Ah, à 10. Ils sont en train de chuter en performance derrière. Il y en a qui sont pités. Qui se sont arrêtés un petit peu tôt. Ce qui n'est pas le cas des deux sauveurs qui devraient valider l'arrivée. Sans trop de problèmes, mais on sait que ça aura peut-être un petit peu en difficulté dans le dernier tour quand même. Ouais, ils sont en train de souffrir. Il
vont pas finir. Bon, il y a quelqu'un, retard la terre devant, attention. On a prévenu à la radio. C'est danger. Gros danger. Des étincelles devant. Oh là là, quelle image. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait devant derrière? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, ils vont s'accrocher. Oh là 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 là. Oh non, mais là c'est pas clair là. Oh là là. Oh là là. Putain, qu'il a... il va attaquer Van der Garde, incroyable. C'est incroyable. Arrêtez-le. Non, là c'est pas possible ça. Et j'avais pensé qu'il arrive. C'est pas puissant. Ça peut être possible. C'est très très belle carte. Les renards sont très très loin de cette pédale. Ils se rapprochent encore, mais les pédales peuvent peut-être partir. Hein. Il reste deux tours. Oui, qu'il n'y ait pas d'autre que par la terre, pour l'instant je n'en vois point. Mais on va dire qu'on ne roule pas non plus, il est carrément complètement levé de pied. Il faut dire que les pneus sont en train de tomber complètement. Derrière, il chute en performance. Peut-être un peu joué. Peut-être que les 10 secondes de pénalité de Jean-Yves Montiel vont pas s'annoncer trop près du 10ème. C'est intéressant. Pour l'instant, c'est 6. Il va perdre peut-être plus de temps, ça fait encore, il faut continuer. Il y a moyen de ne perdre aucune place. Les GF semblent moins bien gérer les pneus que nos deux champions en l'état. 8 secondes, et 2 secondes. Les deux champions. Aussi. Ça glisse. Le rappel à la voiture à l'arrivée. Ouais, il y a tout ça à faire hein. On va regarder les cartes sur Rosberg, c'est ça qu'il faut regarder maintenant. Faire 10 secondes. Bon, il faut faire un aller correct et ce sera bon. Ce sera un doublé sauveur. Est-ce que vous croyez ce que vous venez d'entendre? Je ne sais pas. C'est inquiétant d'ailleurs quand même. Parce que... ouais, c'est un peu inquiétant quand même d'aller autant d'avant. Ah là, ils sont butés. C'est bien, je m'inquiète. Mais là, quand même, c'est toujours assez bizarre. Ouais, sinon, on commence pas avec une autre voiture. Il perd 2 secondes par cette heure, quasiment. Bon, je vais penser qu'il a fait le plus fait. C'est terminé. Ouais, peut-être qu'il s'est arrêté un tour avant les Ronnières, donc là ça se reprend. Troisième tour. Ce tour 2. Ouais, Olivier Ronnières a arrêté dans l'année virage, mais ça passe pas de l'avant-dernière, pardon. Et c'est terminé, on peut aller saluer le mur des stands. C'est une première victoire pour ce jeu-là. On a pas des points de temps. Ah oui! Oui, les pédales ont reculé une bonne quinzaine de centimètres. Ah oui, le tel qui est revenu très fort en fin de compte. Ah, alors qu'on a un problème. Je suis personnellement assez inquiet sur le rythme.
Tu sers la cuisse. Ah. Ben, ils étaient très bien en début de course, puis ils se sont effondrés avec les pneus usés. Et en plus, il y en a qui font des mauvaises croisières. Ouais, tu aurais pris le temps qu'ils ont redonné. On verra bien à Kuala Lumpur, hein. C'est un circuit beaucoup plus typique, on va dire. Là, c'est un circuit semi-urbain. Peut-être que le talent, le talent immense des deux premiers, là, les premiers à Jean-Yves a pu compenser la faiblesse de leur route. Leur talent est démesuré. Bon, bref, j'arrête. Alors, on va continuer. Ah, tu voulais voir les classements. Pilote. Voilà, c'est le même que la course. Dépêche, regardez, voilà. Sauber. Et constructeur, Sauber, 43 points, le double. On l'a vu. C'est important. Ouf. Bon, bah, il sera peut-être temps de venir en bas. Madame, monsieur, merci. Merci de nous avoir suivis pour cette première séance de coopération, premièrement. Et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Et Kuala Lumpur. Merci Jean-Luc. Merci enfin.